Salut. Bonjour. Salut à tous. Enchanté. Enchanté. On se présente. C'est Ratchet & Clank, c'est Naxi, c'est Gag et puis c'est Video Game Man. Et on se retrouve aussi pour un jeu qui s'appelle comment ? Il s'appelle MotorStorm Apocalypse. C'est le troisième de la série et, ouais. Et ça déchire et c'est très explosif et on va vous faire montrer ça. C'est l'Apocalypse Man. Yes. Voilà, Apocalypse Now après tout. Hein. Donc alors, on se retrouve dans MotorStorm. Le festival MotorStorm. Donc dans le premier épisode à la PS3, voilà, c'est une exclusivité Sony. Donc dans le premier épisode, ça se passait dans le désert d'Arizona. Dans le deuxième, ça se passait sur une île où il y avait la jungle, tout ça, la plage. Maintenant, ça se passe dans un environnement urbain. Sauf que il y a des séismes complètement délirants et tout se pète autour de soi. Donc c'est un peu assez, l'apocalypse. En fait, c'est l'apocalypse. C'est, voilà, c'est ça. Alors, et donc eux, les organisateurs du festival MotorStorm ont décidé de faire des courses. Donc, parce que bon, tant qu'à mourir en fait, voilà. Hein. Ouais, voilà, si tu veux. Donc non, mais vraiment le jeu, c'est pas c'est une course en plus. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Mort, là. Ouais, donc là on est dans une course qui est assez particulière. En fait, il y a pas, c'est pas vraiment une course, c'est plutôt une espèce de contre-la-montre. Vous voyez qu'en haut à droite, on a un contre-la-montre. Et en fait, voilà, donc c'est une course où je dois vite me manier d'aller rejoindre le porte-avions. Donc la base, sinon, en fait. Sinon, voilà, avec un petit côté GTA, c'est marrant, on peut écraser les piétons maintenant. Donc, oui, parce qu'il n'y avait pas de piétons auparavant. Donc, Non, mais le jeu, en fait, il est vachement plus violent qu'auparavant, je trouve. Ouais, parce que vraiment, tu peux shooter vraiment. En fait, déjà, MotorStorm, ça serait déjà violent à la base. Oui, c'est sûr, ouais, parce que tu peux quand même écraser les conducteurs, les frapper, tout ça. Et maintenant, tu peux carrément écraser les piétons. C'est rigolo, c'est fun. D'ailleurs, les piétons, ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple. Par rapport à votre voiture ou sur les voitures des adversaires, ils ont carrément des torches enflammées et ils vont les lancer sur votre voiture. On vous ça va faire une surchauffe un petit peu de votre moteur. Ah oui, en bas à droite, on peut voir le moteur. En bas à droite, voilà, donc supprimation de la caméra. Supprimation qui n'existe pas. Donc là, on voit que. Oui, c'est quand même vachement. C'est quand même très. On s'en prend plein la gueule en fait. Juste parce que. En vue interne, moi je mets ça en vue interne, c'est pour montrer en vue extérieure. Il y a aussi des sensations en vue extérieure. Je préfère nettement la vue extérieure, moi, parce que tu vois mieux les voitures, tu vois mieux comment l'effet que ça fait sur le sol. Tu vois mieux en profondeur, mais niveau spectacle, quand même, c'est vachement mieux. Donc là, c'est marrant parce que. C'est la première fois que j'échoue à ce défi-là, c'est dommage. Mais au final, oui. Sinon, la grosse nouveauté par rapport à ce MotorStorm, une grosse modification par rapport au gameplay, c'est nouveauté, c'est que le gameplay a complètement changé au niveau de la maniabilité. On garde les bases de MotorStorm, on a gagné en fluidité, on a gagné en. Non, mais le problème, c'est que là, la maniabilité est beaucoup plus arcade, c'est-à-dire que il y aura plus cette latence au niveau de la commande de déplacement, la lourdeur qu'il peut y avoir. La lourdeur des voitures, elle est plus. Les voitures de sont façon, plus. C'est ce qu'il faut pour. Donc, du coup, ça joue beaucoup sur la vitesse. Parce que là, les voitures sont beaucoup plus rapides. Et voilà. Sinon, au niveau des véhicules, on retrouve basiquement les mêmes. Enfin, des voitures sorte, muscles, camions, motos. Ici, en fait, non, on retrouve encore plus, en fin de compte, plusieurs types de mêmes véhicules. Par exemple, les motos. On a des dirt bags, donc qui sont en fait des motocross. On a des super bags. Si tu veux, c'est que tu vas faire. Ta gueule. Ouais, ta gueule. S'il vous plaît. Donc, on a les motocross, on a les voitures, les motos de course, vraiment les super bikes, et on a carrément des choppers. On a beaucoup plus de motos. Voilà, pareil, super mini, on a plus de types de véhicules. Par contre, il y a moins de camions peut-être. Je trouve qu'on gagnait trop, un peu trop facilement dans le jeu. Oui, ça, du coup, la durée de vie, elle est un petit peu. Non, alors, plus sérieusement. ça fait un petit peu trop trop. Je vais faire mon platine tout seul, moi, tranquille. Ce qui est assez intéressant et que je voudrais juste signaler que. Il y a beaucoup de circuits. Il y a beaucoup de circuits déjà. Contrairement au premier où il y avait trop pas de circuits. Quoi, les circuits sont beaucoup plus interactifs avec des décors beaucoup plus. Oui, dans le premier, on voyait toujours les mêmes circuits. Il y a un petit côté split second, on peut tout exploser dans les circuits. Ouais, non, c'est pas nous qui allons contrôler l'explosion des. Non. Naxi. Pardon. Si. La destruction des décors se fait pas. Ah, se fait aléatoirement. Hein. Tu nous dis. On esquive les explosions. Ah, d'accord, les critiques, c'est pour esquiver. Et en fait, d'ailleurs, ça ressemble pas mal à Split Second. Je trouvais qu'il y avait un peu l'esprit Split Second, sauf que tu contrôles rien du tout. Donc, sinon, il y a quelque chose qui est nouveau aussi. Juste avant ça, un point faible, vu qu'on est dedans, c'est les chargements qui sont super longs. Effectivement. Donc, si vous avez un pistolet, je vous conseille de d'appliquer ça.
sur la gâchette et puis après de respawner. En plus, il n'y a aucune image pour faire passer le temps. Oui, voilà, parce qu'avant, sur les motor stamps précédents, en fait, il y avait une description de la course, c'est-à-dire enfin des conseils. Ça dépend là, c'est parce qu'on est en mode pour le fun. Sinon, dans le mode solo, le mode histoire, donc c'est ça, on va revenir après, on a des petites anecdotes pendant le temps de chargement. Donc, la grande nouveauté aussi de MotorStorm, c'est qu'on a un mode histoire avec une vraie histoire. Avec trois personnages, voilà. Donc je sais pas pourquoi avoir fait une histoire. Bon, ah tiens, sur un timbre poste plié en deux, mâchouillé, recraché par... Chaque personnage représente un personnage. Chaque personnage. Voilà. Et ça aussi, c'était une des nouveautés. C'est le fait de pouvoir faire des figures, donc c'est assez minime, mais c'est sympathique. Par contre, ça n'a pas de boost, ni rien. Non, non. C'est un peu dommage. Donc on a une histoire, donc l'histoire en gros c'est très très simple, elle retrace le parcours de trois personnes qui est à travers donc le championnat MotorStorm, donc il y a vraiment, il n'y a aucun intérêt, vraiment ça se déroule sous forme de petites bandes dessinées, mais c'est est-ce qu'elle apporte quelque chose, non, vraiment, complètement anecdotique, et c'est pas du tout pour ça qu'on jouera à MotorStorm. Ça représente quand même le niveau différent, niveau difficulté. Voilà, c'est ça. En fait, son personnage, on va commencer avec le niveau débutant. Alors déjà, si je conduisais comme lui, moi, je serais content. Et après, on aura le niveau moyen. Ensuite, on aura le niveau professionnel. Mais malheureusement, j'ai trouvé que le jeu était vraiment pas difficile. Est-ce qu'il est court, justement, en conséquence ? Bah ouais. En fait, contrairement aux anciens, il est vachement plus court. J'étais assez déçu à ce niveau-là. Enfin, à cause de la difficulté. On enchaîne vraiment les courses, ça arrive super vite. On prend son pied, tu vois. On peut le voir, les courses, elles envoient du lourd. C'est très dynamique, on a beaucoup de design et tout. Les courses sont diversifiées. Dans un immeuble, tout à l'heure. Tout à l'heure, on était carrément sur le sol et il y avait des bâtiments qui s'explosaient. Et là, on est carrément au-dessus des immeubles. On va dans des étages et tout, on traverse des bureaux. Il y a même des courses qui se passent dans les docks dans des ports de marine. Tu regardais un peu le fond d'écran, quoi. Au niveau de la distance d'affichage est juste magnifique, et puis j'ai pas vu de clipping pour l'instant. Non, c'est assez fluide, c'est propre, c'est très explosif, il y a des effets de poussière dans tous les sens, surtout quand t'as des choses qui s'écroulent. Il y a même des choses qui vont étonner un petit peu, qui vont surprendre, parce que c'est des choses qui vont s'écrouler, on va pas s'y attendre, donc la première fois qu'on va faire la course, on va être assez étonné. Je crois que les décors évoluent, genre il y a un truc qui se casse, après au deuxième tour vous avez... Ouais, ça le tord ailleurs, personne n'arrive à le faire comme ça. Non, je crois qu'il me semble que les décors évoluent en fonction des tours. Par exemple, si quelque chose s'écroule, s'il y a quelque chose au deuxième tour, vous allez. Là, c'est bizarre. Normalement, il devait y avoir des choses qui s'écroulaient, mais c'est vrai que on a des éléments du circuit qui s'effondrent totalement, comme des immeubles, et en fait, ça modifie le circuit, et on va devoir s'adapter très très vite. Il y a toujours pareil, il y a beaucoup de chemins différents. Les speed secondes aussi, enfin. Ouais. Avec les différents chemins. Sinon, dernier truc, sur MotorStorm 2, juste avant de passer à la bande son, au niveau des épreuves, dans MotorStorm 2, il y avait par exemple des épreuves du genre faire des contre-la-montre ou avoir des petits défis en pleine course, c'est-à-dire faire le moins de crash possible. Est-ce qu'il y a des épreuves plus diversifiées du genre contre la montre ou voilà, si bien sûr, comme dans MotorStorm 2, on a évidemment des courses, mais on a aussi des épreuves éliminatoires ou le dernier de la course à chaque tour, compte à rebours est éliminé. On a des contre la montre, donc c'est varié, disons qu'on s'ennuie pas. Surtout qu'il y a beaucoup de circuits, vraiment comparé au premier où on avait 7 circuits ou 8. Là on en a vraiment, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai défilé, il y en a un bon paquet en plus qui sont destructibles. Et en gros c'est cool un peu. Pareil, une grande nouveauté, on peut enfin customiser un peu ses véhicules, son personnage. J'ai un peu peur pour moi. On peut customiser la couleur, mettre des petits vignettes très vite. C'est assez léger, mais bon, c'est sympathique, ça permet d'un peu de se personnaliser. Comme le personnage d'ailleurs, on a plein de personnages à débloquer, plein de défis à débloquer, dans les circuits on a aussi des petits objets à trouver. Ouais, donc ça porte pas grand chose, c'est juste histoire de. C'est sympa quand même. Voilà, donc il y a une rejouabilité qui est là, puis le mode en ligne toujours, qui est vraiment cool. Une bonne course là. Ouais, je vais bien, ouais. Donc, on fait la coupure pour ça. Ouais, ça roule, à tout de suite. Nous voilà de retour donc pour un nouveau circuit. Dans un environnement un peu
différent. Alors la musique, la bande son, est-ce qu'elle claque? Bah ouais, la bande son elle claque parce que en fait cette fois-ci on est quand même plus orienté dans soit dans l'électro. Désolé monsieur. Soit dans l'électro. Plus orchestral, mais toujours très rythmé. En fait c'est un peu un mélange des deux genres. Il y a toujours quelques musiques rock, mais moins que dans le premier épisode je trouvais. Moi par rapport à Split Second, la musique elle est. Enfin je la trouve beaucoup mieux, enfin plus adaptée au jeu quoi. C'est-à-dire que enfin là c'est beaucoup. Disons que dans Split Second c'était vraiment collé au style télé-réalité, tu vois. Oui, voilà, alors que là c'est beaucoup plus. Là c'est du vrai. Truc, enfin, c'est du vrai aussi dans Split Second. Explosif, etc. Ouais. Donc là on va juste parler en fait de. Par rapport aux habitués de MotorStorm 1 et 2, il y a un gros changement au niveau de la bande-son, c'est-à-dire que c'est plus des chansons. Oui, c'est dommage. C'est plus des chansons rock, hard rock, etc. qu'il y avait dans les deux premiers. On n'a plus de paroles en fait. C'est dommage, ça. Même ça a l'air de sympa la bande-son, mais. Oui, heureusement que vous pouvez bien soigner. Il me semble bien que vous pouvez quand même la personnaliser. Ouais. Donc si j'ai vraiment à vos buts, vous pouvez toujours modifier, mettre les vôtres et mettre du Serge Gainsbourg. C'est classique de toute manière. Sinon, au niveau. Niveau des sprites de feu, c'est pas. Aussi, pour ceux qui connaissent pas du tout la série, non, on a déjà montré le petit boost en bas, je crois. C'est bon, oui, c'est ça. C'est désolé. Le mode online, t'as essayé oui, on va dire oui. Mais non, le mode online, comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est limite là qu'on voit vraiment l'essence de MotorStorm parce qu'on n'a plus une IA qui est contrôlée par l'ordinateur, forcément. Là, on a vraiment des joueurs humains. Qui s'acharnent sur la piste, tu vois, qui sont là carrément plus agressifs, parce que entre les mecs qui sont là uniquement pour défoncer les autres et ceux qui gagnent, enfin bref, ça donne un vrai bordel sur la piste. Mais c'est vraiment marrant, tu vois, mais c'est dur. C'est pas terrible, parce que MotorStorm, c'est enfin même si la difficulté est quand même moins élevée, je veux dire, t'as pas le droit à l'erreur, quoi, tu vois, dans MotorStorm. T'as pas le droit à l'erreur, c'est la moindre gamme est sanctionnée. Et puis la jouabilité est quand même assez fine, il faut être assez précis dans ses déplacements pour espérer se sentir. Pourquoi tu mettrais quelle note à ce 3 J'hésiterais entre 15 et 16, mais je pense que je mettrais plutôt 16 quand même, on va dire ça. Mais je vous dis, le mode campagne est quand même assez décevant, mais sinon, ouais, on va dire 16 quand même, s'il n'y a pas photo à aller. Mais, c'est un bon jeu, genre, en plus il vient de passer en en platinum. Ouais, donc il est à 30 euros, vous pouvez le trouver en occasion encore moins cher du coup, donc vraiment. Moi la question que j'ai c'est, est-ce que tu conseillerais d'acheter ce jeu ou est-ce qu'il faudrait attendre qu'il soit moins cher? Ah non, mais maintenant qu'il est à 30 euros. Voilà, est-ce que tu conseillerais de l'acheter? Ouais, bien sûr. Parce que en fait le jeu a fait un gros flop au Japon. Parce qu'il est sorti juste après. Bah écoutez, il a pas. Oui, peut-être. C'est un peu dommage quoi. Ça leur rappelait des souvenirs, c'était marrant. Pour les amis japonais qui nous regardent. J'ai des soucis. Anéanti sa communication sur le sujet. Non, c'est vrai que Sony avait repoussé la sortie. Oui, et comme quoi ça s'est plutôt bien vendu. Si c'est en platinum aujourd'hui, Pour voir le jeu. Donc voilà, on vous le conseille et puis on espère que vous avez aimé ce test et tout, même s'il y a un petit peu. Ça. Et jeu disponible en 3D pour les amateurs et je dis que ça claque. Avec tous les effets de jouable au PlayStation Move. Non. C'est dommage. En 3D et en première personne. Je m'appelle pour un con. Ok. On peut vous dire à la prochaine pour de nouveaux vidéos tests. C'est. Bah oui, c'est ça.